un peu l'ouverture de l'été aujourd'hui. Ça va ? Oui, je sais que c'est un fidèle. Respect. Comment vas-tu ? Il y a longtemps que je t'observe, on se connaît depuis, je crois, 40 ans. Et à l'époque, je me battais pour que le cirque soit reconnu, qu'il dépende non plus du ministère de l'Agriculture, mais du ministère de la Culture. Et je te regardais, je te disais, il est combatif. Alors, quelquefois, ce n'était pas toujours un langage diplomatique, mais j'ai appris beaucoup. Et ce soir, si on est ici à la fête des Tuileries, eh bien, c'est grâce à un combat que tu as mené, tu as fait ta révolution, et ça a permis à la fête foraine d'être pérennisée. Mais il fallait une fête foraine dans Paris. Et là, ça a été l'idée de génie. Et puis, il s'est installé, et puis il a dit, maintenant, je ne sortirai d'ici, ça vous rappelle quelque chose, que par la volonté du peuple, et non pas par la force des baïonnettes. Les Tuileries, c'est une des scènes de la Révolution française de 1789. Alors la musique. Et donc, oui, il faut, et Marcel montre qu'il faut se battre. Il y a des règlements. Les règlements, parfois, sont faits dans des bureaux. Et puis, il y a la réalité du terrain. Il y a des gens qui se battent. Marcel Combion fait partie de ces gens qui connaissent un dossier. Et quand il dit quelque chose, on peut le croire. Et donc, il fait partie de ceux qui sont capables de bousculer des règles un peu difficiles, un peu cadrées, trop cadrées, et de dire non, écoutez-moi. Donc il faut écouter Marcel Campion et tous les Marcel Campion. Quand la loi interdit quelque chose ou quand un décret interdit quelque chose, c'est pas nécessairement hors la loi. Il suffit d'après d'aller s'expliquer ou décréer un événement qui fait rentrer dans l'ordre et qui fait rentrer dans la loi. La loi, c'est dévoyé à mon avis. Quand on nous disait les forains sont interdits dans le jardin des Tuileries, est-ce que c'était la loi? Qui l'avait décidé? Il a suffi qu'un ministre mal réveillé un matin ou une ministre mal réveillée un matin décide qu'il n'y aura plus de forains dans les Tuileries. Alors est-ce qu'on était vraiment hors la loi? Non, je pense que des fois il faut forcer. C'est pas être hors la loi, il faut forcer. Quand il y a des conneries qui sont faites, on n'est pas obligé de les avaler. Moi je pense qu'il faut des anticonformistes. J'ai failli dire un contre-pouvoir. Mais en tout cas, des anticonformistes. Et Marcel, c'en est clairement un. Avant de faire des chansons, je travaillais dans l'automobile et on avait fait une exposition de voitures avec Marcel à la Foire du Trône. Voilà, on avait fait une exposition de voitures. Mais je parle de ça, c'était en 66-67. Ce qui m'avait étonné, c'est qu'il avait un petit peu la tête en avant, toujours. Et il avait toujours les bras, allez, on va faire. Et c'était vraiment un enthousiasme. Marcel, il est dans le présent, il est dans l'action, et puis il donne du plaisir aux gens. Vous savez, les gens qui font plaisir aux autres, ça n'a pas de prix. Grande nationalité représentée, il représente tous les drapeaux du monde et des copains du monde qui sont là. Pour la 1e année, nous sommes heureux d'être à vos côtés et merci. Merci à Marcel, merci à toi mon cher Marcel pour cette immense invitation qui permet à tous ces enfants non seulement de visiter la capitale, mais aussi d'être présents à la Foire des Tuileries. C'est un moment unique et magnifique. Et bien sûr des enfants dans lesquels les pays sont en souffrance. Je veux parler bien sûr de ces petits-enfants sahraouis qui viennent chaque année, ces enfants orphelins d'Ukraine. Je veux parler de ces enfants difficiles de Yézid, mais aussi des enfants du Niger, du Mali. Les enfants sahraouis, ce matin dans le bus quand ils étaient là, c'est Paris, Paris, Paris. Et en plus, venir ici sur cette foire des Tuileries, c'est pour eux extraordinaire. Ces enfants vivent et jeûnent avec 5 litres d'eau, par jour et par personne. Ils sont réfugiés depuis 40 ans. Ils ont 55 à 60 degrés chez eux. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de ballon, il n'y a rien du tout. Et la semaine dernière, grâce à la complicité des copains comme Julien Loprette ou comme Marcel Campion, parce que quand on dit grâce, ce qu'on nous offre, c'est des choses qu'on ne doit pas dépenser, et donc ça nous permet de faire d'autres actions. Eh bien, on a fait partir dimanche
3 tonnes de matériel sportif dans les camps de réfugiés de Tindouf. Et ces gamins pourront créer des terrains de football, des terrains de basket extraordinaires. Et c'est ces enfants eux-mêmes qui ont chargé le camion à Gravelines pour leurs copains, pour l'envoyer là-bas dans les camps de réfugiés. Donc ça, c'est magique. On voit d'autres cultures, on échange, on partage, on voit tout cet élan de solidarité impulsé par ce village copain du monde. Il y a des amoureux. Ouais. Des amoureux entre délégations. Ouais. De très près. On ne dira pas les noms. Marie et Aziz. Marie et Aziz. Faut pas le dire. Super. C'est un moment où vous voyez les gens heureux, les gens avec un grand sourire. Bah, ça fait du bien dans cette vie. Les deux, trois premières années, les clients étaient, on va dire, solidaires avec nous. Vous avez fait quelque chose qu'on ne doit pas faire, mais on vous soutient, on vous aide par notre présence. Et on faisait signer des pétitions à l'époque, et les Parisiens signaient des pétitions pour qu'on reste dans les Tuileries. Après, ça n'a pas été aussi simple que ça le paraît. Il y a eu souvent des difficultés, mais le maintien, c'est par la population, par le nombre de clients qui viennent nous voir. C'est simple, c'est un satisfait total des Parisiens. C'est le premier rendez-vous qu'on a eu, et j'ai fait le truc qui tourne, le gros machin, et je lui ai vomi dessus. Voilà, et elle m'a quand même épousé. On adore. Il a fait ses premiers manèges, il avait un an ici. Donc oui, moi je suis résidente, on adore. Je suis conscient que si je n'avais pas été là à Paris, il n'y aurait plus de forains à Paris déjà. Il n'y en aurait plus du tout. Il n'y aurait plus de fête foraine. Il n'y aurait plus la foire du trône. Il n'y aurait plus la fête à Deneux. Il n'y aurait plus les Tuileries. Il n'y aurait plus la fête de la Bastille. Et il n'y aurait plus les quelques manèges qu'on connaît comme ça. J'ai pris des risques. J'ai pris des coups. J'ai été blessé. J'ai eu beaucoup de procédures. Je ne connais pas un forain qui a fait autant de garde à vue que moi pour la défense du monde forain, ni avoir autant de contrôles fiscaux puisque j'en suis à mon 51e. C'est ça la vengeance des incapables des administrations. Mais je pense être clair, je n'ai jamais fait de prison. Je suis passé souvent au tribunal, mais voilà, je n'ai pas fait de choses qui étaient contraires à la loi, même si on dit que j'ai été hors la loi. Mais vous savez, on dit beaucoup de choses. Ah, il est là, tiens, t'en veux une? Attends, sois gentil, hein, tu ne refuses pas une frite, hein, sinon tu vas t'en prendre une frite. On a commencé par boire un coup et quelques frites. Je sens bien le graillon maintenant, mais c'est ça qui est bon, c'est de sentir la friture. Voilà. Non, c'est une très merveilleuse idée d'être là au cœur de Paris en plus. C'est la foire du trône, j'y vais souvent aussi. Mais au cœur de Paris, d'avoir les grands groupes, les machins comme ça, les guinguettes, c'est extraordinaire. On sort, on est dans Paris, on rentre, on est ailleurs et on sait qu'on est pourtant encore à Paris. Enfin. Faites comme ça un petit demi-tour, vous allez voir chez Didine. C'est là où on peut passer des soirées entières. Voilà, côté enfant, côté adulte. Tout le monde est très heureux ici. Quando stanotte, quando stanotte. Quando stanotte tremonte il sol, mon amour, mon amour. C'est la cantine VIP de la fête foraine. Je ne suis pas sûr d'avoir été intimidé par qui que ce soit. Il faut reconnaître que quand tu vois Jacques Chirac rentrer dans ta baraque, ça te fait de l'effet, surtout quand il est président de la République. On a beau être un peu comme ça, se foutre de tout, non, il y a des gens qui t'impressionnent. Eh bien, en direct de la fête des Tuileries, comme chaque année, je viens m'amuser. Et alors cette année, c'est une première, j'ai emmené mon petit neveu. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on dise un grand merci à Marcel Campion? Oui. Et puis? Eh ben toi alors. On recommence. Un peu partout dans Paris. Il va ouvrir une nouvelle fête foraine au Jardin du Luxembourg.
Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, non, jardin et plantes, mais il faut qu'ils nous fassent croquer un peu. J'ai fait la boule. J'ai pas pu ouvrir les yeux. Ce sera l'année prochaine que j'ouvrirai les yeux. Parce que quand même, c'est très violent. J'ai encore les jambes qui flageolent, mais je suis tellement fière de moi. Si Marcel n'avait pas été là, tout ceci n'aurait pas existé. Toutes ces personnes ne se seraient pas amusées. Et je pense que tant que Marcel sera là, ce sera un grand signe d'espoir. Et avec lui, c'est que du bonheur. Bah écoute, c'est vraiment une oasis de fraîcheur, d'enfance, de plaisir dans ce Paris qu'on martyrise. Et de retrouver un peu le côté ludique et l'amour des enfants. Voilà. Vraiment, il s'éclate à fond là-dessus. La femme sans tête, ce qui est extraordinaire, c'est que c'était une table, il y avait une tête sur la table. Et je me demandais comment. Enfin, je venais tous les jours pour essayer de comprendre comment. Parce qu'il y avait un truc évidemment, comment on pouvait mettre la tête d'une personne sans son corps. Voilà. Ça, j'ai raté l'école pendant 3 mois. Et devant. Oui, d'accord. S'il te plaît, j'ai en train de parler à la télé. Oh, les gonzesses, même les belles, elles me parlent. C'est extraordinaire. Attendez, je reviens. Attention à ce que vous dites, d'accord, ok, attention, c'est Valérie quand même, ok, merci beaucoup. C'est une ambiance de gaieté, une ambiance de liberté, c'est vrai que c'est de la musique zigane, qui a les grands hôtels, qui a le Louvre à côté, et qui a beaucoup de gens qui sans doute sont très surpris de voir ça ici, mais c'est cette magie-là, la fête foraine, et il faut qu'elle puisse perdurer. Penser que le nouveau roi des Tuileries s'appellerait Marcel Campion.